2016 voit la plupart des dispositifs mis en place par le gouvernement prolongés, voire élargis. En effet, certains commencent à porter leurs fruits, c'est le cas pour le CITE et l'éco-PTZ. Instauré en septembre 2014, le crédit d'impôt pour la transition énergétique est prolongé jusqu'au 31 décembre 2016, avec quelques ajustements néanmoins. Une mesure anti-abus vise à exclure du champ du crédit d'impôt des équipements mixtes combinant un équipement éligible et un équipement non éligible de production d'électricité utilisant l'énergie rayonnante du soleil. Également reconduit, l'éco-PTZ, il est prolongé de 3 ans jusqu'au 31 décembre 2018. Par ailleurs, le PTZ, le prêt à taux zéro, est étendu aux 30 000 communes de la zone C contre 6 000 auparavant. Pour rappel, les ménages acquéreurs d'un logement ancien peuvent en bénéficier sous condition de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique. De plus, la durée d'obligation d'occupation du logement en tant que résidence principale est limitée à 6 ans. Enfin, dans le neuf, le dispositif Pinel qui permet de déduire fiscalement une partie du prix de l'acquisition d'un logement destiné à être loué est reconduit à l'identique. Concernant les communes, le dispositif d'aide aux maires bâtisseurs qui a vu le jour en 2015 est reconduit en 2016. Il récompense en fonction de leur localisation certaines municipalités dans lesquelles le volume des constructions dépasse sur un an 1% du parc de logements existants. We'll be right back.